dites-moi un peu les filles, qu'est-ce qui vous attire physiquement chez un gars? Physiquement? Physiquement. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez un gars? On arrive doucement, rien que fume tout seul, faut pas finir tout seul. La carotte 7, fait péter le 12 grammes, trop d'éther, je vois plus mon côté sombre, je vois que mon côté clair. Y'a le S comme Santana, la baisse quand t'es pas là, c'est réel, pas de banana. Ça veut finir à Punta Cana, quitte à Cana. Sa bibi, ça décale des kilos, et même pour toucher le gros bouladillo. Jess, il est pas grand, je le regarde pas. S'il est pas grand? Ouais. Sérieux? Ouais. Je le regarde pas? Non, non. Méchante toi? Mais non, mais il faut qu'il soit grand, je suis grande. Ouais, toi t'es grande, ouais. Ouais. Combien à peu près il faut qu'il soit? 1m80. 1m80 minimum. 73. La couleur de peau. La couleur de peau. C'est-à-dire? Les Africains. Oh my god! Wow! Africains? Ouais. De l'Ouest. De l'Ouest, c'est-à-dire? Ouest, Cameroun, Congo. Cameroun, Congo, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina. Burkina, tout ça. Guinée, Mali, bref. Tout ça là. Antilles aussi. Ok. Antilles aussi. Hein. Dans les Rhônes, hein. C'est ça. Afrique blanc, non? Non. Arabe? Non plus. Maghrébin? Non. Non? Pourquoi non? C'est une question de culture, de principes, de valeurs. C'est un tout en fait. C'est un tout. Il y a le physique, il y a. Après, attention, pas n'importe qui non plus. Physiquement? Bah, physiquement, à vrai dire, le physique ne m'attire pas. Mais pour répondre à ta question, les yeux. Les yeux? Ouais, je trouve. Pourquoi les yeux? Les yeux, c'est, comme on dit, c'est la fenêtre de l'âme. Arrête la drogue. La fenêtre de l'âme. Ouais. Une poète, toi. Donc, un peu. Un peu, hein. Ouais. Ok. Chez un gars, je dirais son charisme. Le charisme? Ouais. C'est physique, ça? Le charisme, oui, c'est physique, je dirais. C'est-à-dire? C'est-à-dire sa carrure, comment il marche, etc. En mode top modèle, t'as capté, quoi? La démarche. Voilà, la démarche. Le physique imposant. Voilà, voilà, exactement. Okay. Qu'il soit grand de taille aussi. Grand de taille. Plutôt clair de peau, mat, etc. Clair de peau, mat. Ouais. Et... Plutôt quoi, rebeu, babtou, renois? J'ai pas physiquement de... Non, honnêtement, au niveau des origines, je m'en fous. Tu t'en fous? Je m'en fous, mais physiquement, du moment qu'il me plaît et qu'il y a le feeling, tout va bien. Dis-moi un peu... Qu'est-ce qui t'attire physiquement chez un homme? Chez un mec, physiquement? Physiquement. Physiquement... Attends, j'ai réfléchi. La taille. Oui. La taille. La taille, oui. Les filles disent la taille. Non, oui, la taille, la taille. Tu veux un mec petit? Non, 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 pas un mec petit. Pourquoi pas petit? Un mec qui fait moins d'1m80, c'est mort. C'est mort? Oui. Rédhibitoire. C'est mort, éliminatoire. Tu es gentil, tout ça? Non, éliminatoire, c'est mort. Il est fidèle, le gars. Non, non, non. C'est fait un mec 70. Non, alors là c'est pire. Pourquoi c'est pire? Non, impossible. C'est quoi ça? Moi je fais 1m73, environ 75. Donc c'est mort. À part la taille. La taille, déjà c'est le premier truc que je regarde, c'est la taille. Ouais. Après un minimum de beauté, hein, je sais pas. Beauté c'est-à-dire? Visage, je sais pas. Visage? Ouais. Ça veut pas dire qu'il est grand, il fait 1m90. Il sera beau. Et il ressemble à un clochard, ça. Il ressemble à un clochard. Elle aime-tu? Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est mort, c'est mort. C'est mort? Oui, oui, oui. Ok, après, à part la taille et la beauté. Eh, je c'est sais tout? Pas, hein. Ouais, non, c'est tout, hein, en vrai. Niveau corpulence, y a pas de... Non, non, vraiment. Mince. Non, non, les skinny, trop skinny, c'est mort aussi. Qui c'est dead? Non, c'est mort. Les skinny, désolé pour trop vous. Skinny, hein. C'est mort aussi. C'est mort, hein. Non, c'est mort. Les ça gars qui sont bien... Ah oui, ça, enfin, ouais, pourquoi pas, hein. Ok, ça marche. Bah, son physique, c'est son visage. Le visage. Son sourire. Le sourire, dis-le. Son sourire. Son sourire. Son corps. Le corps. Bah ouais. Quoi, quelle partie du corps? Je vais pas dire ses fesses, hein. C'est pas dire ses fesses, hein. Tu penses à ça? Ouais. Ouais. Non, je regarde juste un petit peu, genre pour voir. Ok. Physiquement, il faut que le mec soit quand même beau, présentable. Logique. Beau, c'est-à-dire? Bah, regarde comment je suis. Je suis bien habillée quand même. T'es comment? Je suis bien habillée. Bien habillée. Fais un petit tour toi-même, là, on va voir comment t'es habillée. Voilà. Notez-la en commentaire. Notez-la en commentaire. C'est très important. Très important. Le physique, parce qu'il faut que je fasse du sport. Ouais, du sport. Après, s'il fait pas du sport, c'est pas grave, mais il faut qu'il maintienne. Qu'il soit en la ligne. Bah, voilà. La ligne, hein. Pas la graisse qui dépasse. Quelle indignité. Pas de gras. Ouais, voilà. Ok. On n'aime pas trop. C'est pas un mec un peu obèse, même s'il est fidèle et beau. Bah, on va faire du sport. On va faire du sport, hein. Ça va changer. S'il est fidèle, bah, on va faire du sport. Ok. Sa dentition.
Dentition. Les dents comment? Bah je sais pas, droite et blanche. Droite et blanche, il y en a qui sont cabossées. Ah ça dégoûte. Oh les bâtards. Ça dégoûte hein. Ouais, ça dégoûte. T'as déjà vu les gars comme ça qui t'ont parlé? Ouais. Ouais. Ouais, ça t'as fait quoi? Rien. Rien? Ouais, rien. Rien du tout hein. Rien du tout. T'as pas... C'est pas aller plus loin. Ouais, ouais, rien.